Eh bien salut les doudous et bienvenue sur le Wolfie Game Party pour ce septième épisode hein, sur The Hunter Call of the Wild. On va continuer notre aventure de chasse et de bonne humeur avec tout d'abord oui alors je me suis planté ici parce que en lançant le jeu, je me suis rappelé qu'on m'a posé la question. D'ailleurs, je vous remercie d'être aussi nombreux, aussi intéressés sur YouTube, hein, sur ces vidéos en l'occurrence, et de laisser tout plein de commentaires, bon, qui sont plus ou moins tout le temps les mêmes. Hein, vous regarderez, hein, pour ceux qui ont un petit peu de temps, vous regarderez un petit peu les commentaires, qui c'est à peu près tout le temps la même chose. Mais ce sont des questions intéressantes, et c'est là tout l'intérêt d'y répondre. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Tout d'abord, donc le menu principal, donc le premier menu que nous voyons dès que nous lançons le jeu, c'est celui-ci. Et vous voyez que les petits trucs, alors j'ai dit trucs parce que je ne sais pas du tout comment les appeler, les différentes, voilà, les différents choix hein, qui s'offrent à vous. Les différentes catégories de menus, voilà, on va dire, sont en français. Voilà. Alors pourquoi? C'est pas moi qui les ai mis dans le jeu, machin. C'est tout simplement parce que ma console est paramétrée en français, les gars. C'est tout. Alors je ne sais pas si les personnes qui me posent la question sont canadiens ou ce genre de choses parce que beaucoup me disent, bah écoute, Wolfie, moi mon jeu il est tout en anglais, j'arrive pas à le mettre en français, machin. Mais moi, à mon avis, donc pour moi, hein, après c'est très personnel, hein, allez vous renseigner ailleurs quand même. Mais moi je pense que, puisqu'on me pose la question à moi, donc je donne ma réponse à moi. Parce que j'adore aussi les mecs dans les commentaires qui posent une question, et quand tu leur réponds bah, ce que toi tu penses de la réponse, hein, machin, il te dit, bah non, c'est tu dis de la merde parce que lui il a dit ça, lui il a dit ça. Bah écoutez les autres alors si vous voulez, les gars, y a aucun problème. Mais moi, je pense que c'est parce que votre console n'est pas paramétrée, vous n'avez pas un compte FR, vous n'avez pas un compte français. Vous devez avoir un compte, je sais pas, peut-être ouais, canadien ou machin, ou belge ou suisse ou machin, je ne sais pas, je sais pas comment ça se passe dans les autres contrées, dans les autres pays. Mais moi, pour ma part, donc moi, ma console est paramétrée en français, et vous voyez que quand je lance le jeu, ah bah boum, c'est en français. Après, de toute façon, on va aller voir ensemble, dans les paramètres de jeu, bon, évidemment, on ne trouvera rien qui se rapporte à la langue et autres. Dans le son, vous voyez, à part la musique, les dialogues, mais ça, c'est au niveau de l'intensité sonore qu'on peut régler, c'est tout. Les sous-titres, on peut juste les activer ou les désactiver. Donc, on ne nous demande pas si on veut les mettre en français, en anglais, en japonais ou quoi qu'est-ce. La manette, bon, on est sur la sensible, machin, tout ça. Et les commandes, vous voyez qu'on peut pas faire grand-chose, quoi. Au niveau de l'affichage de la langue, voilà. Donc, pour ceux qui me demandaient, donc moi, mon jeu est en français. Écrit, parce que vous êtes bien rendu compte qu'en français oral, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle, les PNJ, machin, tout ça, et tout ce qui, toutes les interactions qui se font avec le jeu, enfin dans le jeu, sont en anglais, par contre. Donc on est bien sur un jeu anglais sous-titré français, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et d'ailleurs, j'ai été vérifié, c'est comme ça qu'il le précise sur la page du jeu dans le PlayStation Store. Il précise bien en dessous anglais sous-titré français. Voilà. Donc moi là c'est en français parce que ma console, ma PS4 est paramétrée en français, tout simplement, les doudous. Voilà. Donc regardez à ça, mais essayez d'avoir d'autres avis, hein, évidemment. Parce que peut-être que quelqu'un va vous dire, mais non, on t'a dit ça, mais c'est pas vrai, fais ci, fais ça, tu verras, machin. Après, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Je ne dis pas que tout ce que je dis c'est écrit dans la Bible, hein, les gars, c'est pas ce que je dis. Moi, vous me posez une question à moi, donc je réponds selon mon avis personnel à moi. Après, je dis peut-être de la merde, hein, j'en sais rien. Voilà. Mais Doudou, sinon, donc je suis très content. Ah, hein, je suis content de l'engouement et de tous les abonnements et de toutes les vues et de tout ce que peut rapporter cette série sur YouTube. Je ne pensais pas, je vous avoue, au début, quand j'ai fait. Quand je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans une petite série The Hunter Call of the Wild parce que j'adore ce jeu et parce que j'ai envie que les gens découvrent ce jeu magnifique et s'y intéressent. Je pensais aller faire. Allez, faire 50 vues, 100 vues par vidéo et point barre. Mais je me disais, ça sera déjà pas mal.
Mais là, c'est vrai que vous êtes très nombreux. Alors, encore une fois, oui, parce que j'ai toujours, quand je dis ça dans une vidéo, j'en ai toujours un qui peut pas s'empêcher de venir me dire, ouais, l'autre, il fait 200 vues sur une vidéo, il en peut plus. Cyprien, il fait 100 millions de vues, machin. Oui, non, mais d'accord, ok, petit gars. C'est pas ce que je dis, c'est que moi, genre sur la première vue, là, on doit être à plus de 1000. Sur la première vidéo, pardon, on doit être à plus de 1000 vues et tout. Pour moi, c'est ouf, tu vois, c'est inespéré, tu vois. Donc, c'est ça que je dis. C'est sûr que si tu compares avec Super Connard ou avec Cyprien ou Norman, c'est sûr qu'à côté, je suis risible. Je suis personne, je suis n'importe quoi. C'est normal, c'est évident. Mais on fait pas la même chose déjà. Et puis moi, j'en vis pas. Moi, c'est pas mon gagne-pain, hein, de faire des vidéos sur YouTube. Hein. C'est pour vous que je le fais. Hein. C'est pour moi, évidemment, parce que je kiffe. J'adore faire ça. Ah ouais, tu crois? On va aller voir ça, madame. Et vous voyez là, donc elle a parlé en anglais. Vous voyez, très bon exemple, c'est j'attendais que ça arrive. Donc elle a parlé en anglais, c'est sous-titré en français. Mais ça n'empêche pas que regardez, mon pad, enfin mon entertainment, mon téléphone est en français. Et tous les. Tout, vous voyez, après tout est en français, tout ça. Donc c'est bien un jeu sous-titré français. Voilà. Ok les doudous. Donc on avait acheté. Oh, on avait acheté le choc des bois. Tu te rappelles? Mais tu te rappelles pas. Moi, je m'en rappelle très bien. Ah, on se l'était pas mis, d'ailleurs. On l'avait pas acheté, le choc des bois? Ah, va peut-être falloir recommencer, alors. Attends. On va aller voir. Bah non, on est à 7000 et quelques, machin. Donc, on l'a peut-être pas fait, alors, du coup. Bah, attendez, on va le refaire. On va le refaire. Choc des bois. Voilà, 6000. Donc on va acheter ça. Oui, j'avais peut-être peut-être que la sauvegarde s'était pas faite. Parce que c'est vrai que je me rappelle dans la vidéo précédente, hein, donc dans l'épisode 6, on l'avait fait, mais vraiment tout à la fin. Donc peut-être que la sauvegarde n'avait pas encore pris. Donc on a acheté le choc des bois qui était à 6000 et qui va nous permettre donc de finir notre fameuse mission. Puisque le choc des bois, vous voyez, c'est un instrument astucieux qui imite le son de bois qui s'entrechoque, ce qui attire parfois les daims belliqueux. Voilà. Et en fait, c'est pour attirer les dindes, hein, tout simplement. Ils font des grandes phrases pour pas grand chose. Au niveau des autres appos, on n'a rien. Enfin, on n'a rien d'autre à acheter. On va acheter un petit peu de mun, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, on était pas mal, je crois. Je crois que pour le reste, on était pas mal. On avait juste besoin du choc des bois. Oui, alors petite précision également. On m'a dit de le préciser, et c'est vrai, je l'ai pas précisé. Que dans cette version PS4. On n'a pas encore comparé à la version PC, on n'a pas les sacs à dos et les sacs bananes. Vous voyez, les espèces de petites sacoches qu'on met à la taille, le machin, qu'ils ont eu dans la version PC, hein, sous forme de DLC aussi, je pense. Oui, je suis sûr d'ailleurs, pourquoi je dis je pense, non, c'est sûr. Ils ont eu ça en DLC, donc des sacs à dos qu'on peut en fait acheter plus ou moins de grande capacité pour augmenter son inventaire, son sac à dos tout simplement. Et puis également des petits sacs bananes qui font l'objet de la même fonction, hein, c'est-à-dire augmenter l'emplacement de votre inventaire. Et là on l'a pas, donc ça viendra peut-être, hein, sur une mise à jour ou sur un DLC payant aussi, pourquoi pas peut-être, hein, sur la version PS4. Mais pour l'instant je n'en sais rien, donc ne me demandez pas Wolfie c'est quand, Wolfie ça arrive quand, Wolfie nana, je ne sais pas, je suis comme vous, j'en sais rien du tout. Je sais que c'est disponible sur la version PC, donc je pense qu'ils vont le faire sur la version PS4, mais je ne sais pas quand. Je n'en sais rien du tout. Voilà mes doudous. Alors, tac, 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 tac. Donc le choc des bois, tatati, tatata, on va le prendre. Et vous voyez, oui, parce que j'avais pas précisé, ça personne ne l'a relevé, c'est moi en voyant ma vidéo, ma dernière vidéo, je me suis dit, tiens, oui, j'aurais pu préciser. En fait, votre sac à dos contient. Enfin, votre sac à dos. Comment on va dire? Fait un poids, voilà, vous voyez, on est à, vous voyez en dessous de marqué sac à dos, et c'est marqué stockage sac à dos, donc juste en dessous de sac à dos il y a une petite barre verte et c'est marqué 7-10 sur 20, donc ça, en fait c'est le poids, ça c'est le poids que fait notre sac à dos, c'est à dire que là on est à 7,10 kg et faut pas dépasser 20 kg, vous voyez, non 7,10 kg pas du tout, c'est le poids de ce qu'on, ah non attendez, je suis en train d'apprendre un truc en même temps de vous le dire. Parce que moi j'étais resté bêtement, vous voyez, là-dessus, en me disant bon bah là je suis à 7,10 kg parce que j'ai pas. Mais là en fait vous voyez que quand on bouge, quand on va sur les différentes choses. Alors ça correspondrait à quoi? Parce que quand on va là-dessus, ça bouge plus.
Ah, donc notre sac à dos, on peut pas savoir à quel. De toute façon, vous voyez le truc vert, on est à peu près. Moi, je pense qu'on est à peu près au middle, quoi, au milieu, quoi. Vous voyez, quand je vais sur l'arc, ça change. Quand je vais. Ouais, enfin bref. Enfin, vous voyez, moi, je me réfère à la petite jauge verte, là, petite barre verte, et vous voyez qu'on est à peu près au milieu, donc on doit pas être loin, on doit être à 10 kilos et quelques. Voilà, donc notre inventaire. Alors, je suis désolé, oui, à chaque fois au début, c'est un petit peu long, c'est un petit peu relou. Mais il faut ce qu'il faut les doudous parce que là on va aller faire notre mission donc il va falloir qu'on se mette en chasse donc choisir hein, notre équipement et tutti quanti donc alors choc des bois on va le mettre ici hein, en 6 voilà donc là on a tout normalement on a nos appos, nos machins, nos bidules, nos mires patati patata, les jumelles c'est bon, les armes c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde l'arc ou on l'enlève? Non on va le garder parce que voilà. Pas de mire, flèche, pointe, machin. Ouais, on va rester comme ça les deux. On va pas aller se prendre la tête avec ça pour l'instant. Alors oui, je vous avais. Alors pour ceux pareil qui m'ont posé la question, parce que je réponds à vos questions en même temps dans chaque vidéo, parce que c'est vachement intéressant. Moi, j'aime bien répondre aux questions parce que si les gens posent des questions, en plus moi je vous invite dans mes vidéos à poser des questions. Donc si je vous posez des questions et que le Wolfie il y répond pas, après vous allez plus poser de questions du tout. Vous allez dire de toute façon Wolfie ne nous répond jamais, c'est un connard. Donc voilà, moi je réponds à chaque fois dans chaque vidéo. T'as vu, on prend 2 minutes. Ça prend le temps que ça prend, mais au moins comme ça vous êtes content. Moi je suis content parce que je vous ai répondu et puis on n'en parle plus. On refera un gros point, c'est pour ça que je le mets un peu de côté. En jeu, on refera un gros gros point parce que beaucoup d'entre vous sont sceptiques et moi également. Je vous avoue que je suis pas sûr de ce que je raconte. Donc on va aller vérifier ça en jeu, dans cette vidéo, dans l'épisode 7. Grosse grosse exclusivité les doudous. On va répondre à la question de petits points. Putain, qu'est-ce que c'est que ce spectre violet? À quoi ça sert? Parce que moi je dis ça sert à ça, d'autres me disent non Wolfie, ça sert plus à ça, d'autres disent oui mais d'accord ça sert à ça, mais ça sert aussi à ça. On va aller voir. Je vais prendre tous les points que vous avez développés, que vous avez soulevés, des points très intéressants. D'ailleurs, je remercie notre ami Petit Calamar 17 qui m'a fait une réflexion très très juste, qui m'a dit Wolfie, fais gaffe, le spectre violet, ceci, cela, on va aller voir ça, je vais vous expliquer. Et c'est pour ça que je le mets un peu de côté parce que là, ceux qui regardent la vidéo se disent putain, il va pas en parler, hein, il va pas en parler. Si, si, il va en parler, vous inquiétez pas, le Wolfie est sur le coup. Je voulais tout d'abord aller dans le codex pour vous montrer. Certains m'ont posé la question, est-ce qu'on peut chasser le tout petit gibier, genre lapin, lièvre, Bernard à l'ermite et tout le bordel? Je ne sais pas, donc je vais aller voir avec vous. Enfin, je ne sais pas si sur la version PC, parce que comme je le dis, j'ai regardé beaucoup de vidéos et je sais à peu près ce qu'on peut chasser. Moi, pour moi, le plus petit bétain qu'on pouvait chasser sur ce The Hunter Call of the West, c'était le renard, mais il y a peut-être plus petit. Donc là, on est sur, voyez, l'onglet faune, donc on a tous les animaux en fait répertoriés et qu'on peut chasser. Donc sur ce. Sur cette. Alors c'est sur la carte, hein, je pense, parce que là, on est dans la réserve européenne. Donc vous voyez, il n'y a pas plus petit que le renard, hein. Le renard, vous voyez qu'il se chasse avec la 223, donc l'arme de catégorie 0, qu'on n'a pas encore. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein. On a pas plus petit que le renard, hein. Ours, coyote. Ça, le coyote, c'est la 243, c'est un peu plus gros que le renard. Et le cerf de Virginie, pareil, c'est à la 270. Donc voilà, vous voyez qu'on n'a pas. Ah non, on est sur la. Attendez, parce que faune. Non, il n'y a pas par machin, donc c'est vraiment. Parce que. Attendez, attendez. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bison, machin, nanan, sérélave. Ah oui, si, ça a l'air d'être sur cette réserve. Bon, on ira voir quand on sera dans l'autre réserve. Mais là, ici, en tout cas, vous voyez qu'il n'y a rien de plus petit à chasser que. On va essayer. Quand on aura la 223, parce qu'il est hors de question que je fasse ça, la 243, ce serait une boucherie. On va essayer. Quand on aura la 223, si on arrive à la débloquer dans cet épisode. Ce que je ne pense pas, hein. On essaiera de chasser le lapin. On shootera un lapin pour vous montrer que en fait, parce que je l'ai déjà fait, hein, donc là par contre, je peux vous parler de choses que je connais et que j'affirme. C'est-à-dire que le lapin dans ce jeu, on peut le tuer, on peut s'amuser à chasser le lapin si vous voulez, si ça vous amuse. Déjà, bon courage, parce que c'est un peu chaud. Mais ça vous rapporte rien, c'est-à-dire qu'on peut même pas le prélever, quoi, on peut même pas. Donc, notre mission. Alors, nous sommes toujours ici, les doudous. Journal de mission, à la one again. Rendez-vous au champ de maïs de Petitchaine et prélevez 2 daims. Donc, maintenant, nous avons le choc des bois. Rappelez-vous. Donc, ça va être
Oh, beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est des restes de quand je regarde les vidéos de Bob Lennon, ça. Le Bob Lennon, il arrête pas de faire ça, je fais pareil du coup. Plagiat, plagiat, oui c'est vrai, mais c'est parce que ça me fait kiffer, c'est tout, hein. C'est rien de... Je fais pas mon Bob Lennon, hein. Vous dites pas ça. Mais c'est vrai que je remarque dans mes vidéos, parce que je revisionne, hein, parce que j'essaie de faire un test qualité quand je fais des vidéos, je regarde un peu les conneries que je raconte, et sachez que j'en enlève beaucoup. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point j'enlève beaucoup de conneries que je raconte. Et c'est vrai que je fais souvent des trucs et je me dis, des fois je m'écoute et je me dis, tiens, on dirait une vidéo de Bob Lennon. Mais c'est un gimmick comme ça, c'est parce que je kiffe et du coup je le fais parce que ça me fait kiffer et puis parce que j'ai, voilà, c'est tout. C'est pas, voilà, je ne le fais pas volontairement en me disant, tiens, je vais leur faire du Bob Lennon au doudou, comme ça ils vont kiffer ce que je fais. Non, rien à voir, on s'en fout. Donc les champs de maïs de Peter Chain sont ici, et c'est ça qui est bon, comme dirait Bob Lennon. Champ de maïs de Peter Chain. Donc on va aller se diriger, nous, bah vous voyez, on n'est pas très très loin. Hein. On est pas très... Ah si, quand même, fais voir. On est où? Eh, on est où? Eh! Bah, mais il est où, Wolfie? Wolfie! Attendez, je me suis perdu moi-même. Je me suis auto-perdu. On était sur un... Ah, on est là, oui, voilà. Donc je disais, on n'est pas très très loin. Vous voyez? Donc les fameuses taches rosées. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Donc oui, j'avais dit, j'avais répondu à quelqu'un, pareil, je ne sais plus qui, qu'elle restait à peu près 24 heures. C'est 24 heures en jeu, hein, pas chez vous. Hein. C'est-à-dire, tu vois, mais... Enfin, moi je pensais, mais apparemment, elle reste beaucoup plus longtemps. Elles doivent rester 2-3 jours. Hein, parce que j'ai dit 24 heures, mais... plus ça vient, plus je me dis j'ai peut-être dit du caca là, c'est peut-être un peu plus, mais bon. Mais enfin, tout en sachant que bon, je le redis, moi, franchement, ça m'empêche pas de chasser. Hein. Là, je suis sûr que si je vais dans cette zone rosée là, je vais retrouver. D'ailleurs, vous voyez, il y a une comme quoi, donc ça répond à la question. Il y a une empreinte, donc qu'on va aller voir tout de suite. Donc ça veut pas dire que parce que c'est rosé sur la carte, vous ne trouverez plus d'animaux dans cette zone. C'est pour moi, c'est pas ça que ça veut dire. Alors, on va les diriger là-haut tout de suite. De toute façon, ça sera sur le chemin, hein, de notre objectif, hein, c'est-à-dire les champs de maïs de Petit Chain. Sachant qu'on a déjà, on en a déjà eu un, nous, hein, de daim, hein, pour cette mission. Hein, vous le voyez sur sur. Ah, je sais jamais comment l'appeler ce truc. J'ai pas envie de l'appeler l'entertainment parce que bon, voilà, moi je suis français et puis il y a déjà un youtubeur qui l'appelle comme ça. Je vais l'appeler, non, moi je l'appelle le pad. J'appelle ça un pad ou voilà. C'est pas un téléphone non plus, c'est enfin ouais, enfin si, parce que ça sert à recevoir des messages et tout, donc ça... ouais, on va dire un pad, je vais l'appeler un pad, voilà. Et pour ceux à qui ça plaît pas, j'en suis désolé, essayez de me trouver un autre nom que, mais alors pas entertainment, parce qu'entertainment, je vous dis, j'ai pas envie de l'appeler comme ça parce que ça ne me correspond pas, ce mot ne me correspond pas, voilà. Le Wolfie n'aime pas ce mot. C'est simple. Alors on va aller... Ça, c'est un petit chevreuil, toi. Ah, caca. Ça, c'est un petit chevreuil. Qu'est-ce qu'on fait? On se le fait ou pas? Ah, peut-être pas à l'arc, quand même. Un petit chevreuil, qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors, pareil, donc, je crois que c'est Franck, hein, qui m'avait fait remarquer que je ne vous avais pas précisé, mais c'est parce que les conditions météo ne s'y prêtaient pas, on n'était pas la nuit, que, oui, pour les touches... Je vous avais fait un petit inventaire des touches, et oui, donc la touche R3, quand on reste appuyé, ça fait la torche. Alors je sais pas si vous le voyez ici. Attends, j'essaie de me mettre. Vous voyez, il y a une torche qui s'allume quand j'appuie. Le petit faisceau là. Donc c'est la torche, hein, pour tout ce qui est de chasse de nuit. Et effectivement, je l'avais pas dit. C'est vrai. Il avait raison, le doudou, je l'avais pas dit. Donc je le dis. Tac tac tac. Et recharger aussi ces triangles, mais ça, je crois que j'avais fait un petit texte en rajout, hein, sur la vidéo, je crois. Je ne sais plus. Je crois que je vous avais mis. Bon, qu'est-ce qu'on fait, notre chevreuil là? On se le fait ou on attend Ouais, si on peut se faire un petit chevreuil sur la route. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est là. Hein. Enfin, il est là. Je l'ai entendu, quoi, mais après. Bah, ça doit être ça les traces qu'on voit alors. Donc, vous voyez, donc pour répondre à la question, on va tout de suite répondre à la question de notre ami Petit Calamar 17 là.
Et aux autres, hein, parce que c'est pas le seul, hein, c'est les autres également se posent la question. Je me doute bien que c'est pas le seul. Donc vous voyez que là, on a entendu un chevreuil. Hein, il n'y a pas de problème, il est là, il est dans le coin. Il est soit là, ben, je crois qu'il est plus par là. Vous voyez? Bah, vous voyez, on a des traces en plus, donc voilà, ça prouve bien. Ah non, c'est un sanglier, vous voyez. Et nous sommes bien, vous voyez sur le pad, on est bien sur la zone, en plein milieu même, de la zone, enfin le spectre violacé là, hein, dont on parlait. Moi j'appelle ça un spectre, parce que c'est quelque chose qui s'affiche, mais c'est pas physique. C'est un spectre, c'est un affichage. Et vous voyez qu'on est en plein milieu de la zone, d'accord? Et qu'on a quand même un sanglier qui est venu par ici. On a entendu un chevreuil, et je suis sûr que si j'insiste un peu, je vais pouvoir prélever un animal dans cette zone. Vous voyez? Donc ça ne, pour moi, ça ne veut pas dire du tout que ce spectre rosé sur la carte ne signifie pas du tout que vous ne pouvez plus chasser à cet endroit. Vous voyez? Pour moi, ça veut juste dire qu'un animal a été prélevé. Enfin, est mort, pas a été prélevé, mais est tombé, donc est mort et décédé, a trépassé à cet endroit, et c'est tout, les doudous. C'est tout ce que ça veut dire pour moi. Vous voyez? Vous voyez que là, je suis en plein cœur, en plein milieu de la zone donc du spectre violacé, et on a des traces là, bah, ça doit être les traces de notre sanglier, hein. Bon, le sanglier, on va laisser tranquille parce qu'on n'a pas l'arme qu'il faut. Et vous voyez qu'on a entendu également un chevreuil, machin. Vous voyez, donc ça. Après, vous allez me dire, bah oui, mais Chris Gaming, il a dit. Oui, il a dit peut-être, mais c'est sur PC déjà. Donc peut-être que sur PC et sur PS4, c'est pas le même principe. Peut-être parce que vous voyez que, ne serait-ce que le. Comment le. L'action de rechargement, parce que c'est pas le bouton, mais l'action de rechargement sur PC n'est pas du tout. N'a pas du tout la même mécanique sur PC et sur PS4. C'est-à-dire que sur PC, il faut. À tout prix remettre la balle en chambre machin et après recharger alors que nous on a juste un rechargement à faire. Vous voyez donc c'est pas du tout pareil. Donc peut-être que le spectre violacé n'a pas la même fonction sur PC que sur PS4 aussi. C'est possible, c'est très très possible les doudous. Merde j'ai perdu mon du coup j'ai perdu mon truc. Voilà. Donc les daims, on va les diriger par là. Où sont nos daims là sur passage de chevreuil? Chevreuil. Daim, voilà. Ah, il fallait y aller de nuit. Ah, bah écoute, on va essayer d'y aller de plus de journée. Et puis, si vraiment on voit que ça marche pas. Donc voilà, retenez bien ça, les doudous. C'est pas parce que vous entendez quelqu'un vous dire, enfin, ou même plusieurs personnes, parce que c'est. Comme je disais à Petit Calamar, c'est pas parce que la majorité dit quelque chose qu'elle a forcément raison. Hein. C'est pas parce que. Dites-vous bien que c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Hein. C'est pas le nombre hein, qui gagne. Hein. C'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et après, il y a peut-être ce facteur qui rentre en compte de se dire, bon, bah lui, il est sur PC, peut-être que sur PC, c'est comme ça, mais peut-être que nous, sur PS4, ils ont voulu un peu simplifier le truc et que ça se passe pas comme ça, machin, peut-être aussi, j'en sais rien du tout. Je prends une petite lampée de café, les doudous. De toute façon, tiens, je vais vous faire une ellipse ici tout de suite, et je vous reprends, bah, hein, vous avez l'habitude maintenant, s'il y a quelque chose d'intéressant, et sinon, quand on sera arrivé à bon port, c'est-à-dire sur les champs de Peter Chain. Voilà. Alors vous voyez qu'on vient d'avoir un cri d'avertissement de daim là, hein, pas très loin. Hein, il est parce que moi je me réfère à l'intensité hein, des espèces. Je vous avais déjà dit des espèces de comment on appelle ça? De sonar là, de la taille du sonar là quand il pousse le cri. Et plus il est gros, hein, plus l'animal est prêt. Hein, ça vous aurez compris, j'ai pas besoin de le dire les doudous. Vous êtes intelligents aussi, ou pas, faut pas, on va pas tout dire aussi les doudous alors. Le prof d'école, tu sais, qui s'énerve tout seul. Alors, on va essayer un truc. Bon, je suis pas du tout dans les champs de pétard. Si, je suis dans les champs encore ou pas? Fais voir la carte. Ah bah si, je suis dedans. Ouais, c'est cool. Alors, on va essayer de l'appeler. Voilà. On va appeler notre daim.
Oh, s'il arrive là tout de suite et qu'on le prélève le machin et que la mission est terminée là maintenant, les gars, ce serait juste le bonheur. Je pensais, je vous avoue, en le faisant, en faisant l'ellipse là tout à l'heure, en marchant, je me suis dit, putain, ça se trouve, j'ai pas fait gaffe à l'heure. Ça se trouve, il va être trop tôt ou trop tard ou je ne sais pas. Bon, ça, c'est un chevreuil, on s'en bat les couilles. Regardez. C'est un beau pépère. Alors, on va essayer de se rapprocher. Parce que là, on est en plein vent. Et là, normalement, ça devrait pendre, hein, parce qu'on est carrément dans la zone. Alors, on va se rapprocher tout doucement pour pas effrayer le doudou. Et je l'ai perdu. Voilà. Ah, ça, les hautes herbes, hein, c'est casse-couille parce que. Alors, déjà, on est en plein vent là, vous voyez. Donc, j'aime pas trop. Et en plus, on est dans les hautes herbes, donc ça fait du bruit et on voit que dalle. On va essayer de trouver un point un petit peu plus sympa pour shooter notre animal. Parce que là, comme ça, dans les hautes herbes comme ça, je vous avoue que c'est pas terrible, terrible, terrible. Alors je vais tenter de me relever, mais c'est chaud de night. Où est-ce qu'il est barré? Où il est, doudou? Bon, de toute façon, on sait qu'il est dans le coin, hein. On sait qu'il est là. Il est vraiment pas loin. Je crois que je l'entends. Je ne sais pas si vous l'avez au niveau du son. Le vlog. Merde, il est où? Je viens de le voir passer, hein. Je viens de le voir, vous voyez, en zoomant, je l'ai perdu comme un imbécile. Il est là. Ben, c'est pas un daim, ça, c'est. Bon, on va voir. On va le shooter là. Arrête de bouger, mon calé. Eh merde. Bon, c'était pas un daim, c'est un chevreuil, ça. Ça, c'était un chevreuil, ça. Alors, il est pâti où? Il est pâti là. Mon daim mâle là, mon beau daim mâle de tout à l'heure, je l'ai paumé, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, on va en retrouver un, hein. De toute façon s'il y en avait un, il y en aura d'autres. Hein. T'inquiète pas. Hein. C'est lui qui est là. Non, ça apparemment c'est de où il vient. On va reprendre nos traces. Non, toujours pas. Alors, j'essaye de. Je vous fais une ellipse, hein, j'essaye de le retrouver. Bon, il doit pas être bien loin, hein, et puis je vous reprends après. Alors, mes doudous, on a retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé. Il m'a fait cavaler un petit peu. Hein. Regardez, on était vers ici. Enfin, pas vers ici, on était carrément ici. Et vous voyez, j'ai dû traverser tout ça pour le retrouver. Ici, donc le voilà. Donc c'était bien un chevreuil hein, que j'ai complètement foiré. Bon, il est tout mignon, hein, mais il m'a fait galérer lui. Alors on lui a fait quoi? Ouais, j'ai voulu viser le cœur, hein, vous voyez, mais j'ai complètement foiré mon coup. J'ai fait humérus gauche. Bon, voilà. Donc un petit score. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui nous intéressait. On va retourner dans notre zone. J'ai rien croisé hein, à part des renards qui gueulaient un petit peu tout autour de moi. Et donc, pour bon, j'étais hors vidéo, mais pour vous préciser encore une fois que la chose, vous voyez, je venais de tirer donc ici, vous voyez, dans cette zone ici qui est bien violette, bien limite noire même. Et j'ai croisé plein de cris de renards, de machins, de trucs. Donc, ça ne veut. On est bien d'accord que ça veut. Du coup. La théorie comme quoi les gens disent, la populace dit que dans cette zone, une fois que c'est violé, que c'est affiché sur la carte, tu ne peux plus chasser, tu n'auras plus d'animaux dans cette zone, on est bien d'accord que pas du tout. Hein, parce que moi, vous voyez, là, je venais de tirer, je venais de... Alors, ça veut pas dire non plus que c'est là qu'est tombé notre animal, parce que vous voyez, moi je l'ai eu ici, mon chevreuil, il est tombé ici, et là c'est pas violé du tout. Donc c'est bien la zone dans laquelle on tire. Mais ça veut pas dire non plus qu'on trouvera plus jamais d'animaux dans cette zone, machin. Merde, oh, je voulais détecter le son, mais je crois que c'est encore un chevreuil. Je sais pas, on va peut-être pas y aller en courant.
Ouais, c'est encore un chevreuil. Bon, ça nous intéresse pas, outre mesure. Bah, je vous refais une ellipse et puis dès que j'ai trouvé un daim à prélever, alors j'espère que je vais retomber sur mon daim de tout à l'heure. Ça serait quand même assez sympathique. Parce qu'il était beau, c'était un beau mâle. Il était juste devant nous, puis vous voyez, on l'a perdu. Chose qui arrive, hein, ça arrive même très très fréquemment hein, dans The Hunter Call of the Wild. Hein, des fois, vous captez un animal et puis le temps de vous retourner, le temps de machin, bah, il est plus là et puis vous êtes comme un con. Mais ça arrive, hein, ça fait partie du jeu également. Hein, c'est un animal, ça bouge. Hein, c'est encore une fois, je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais c'est encore ce qui fait la différence avec Hunting Simulator, donc le jeu également disponible sur PS4. Où les animaux bougent beaucoup moins hein. Une fois que t'as vu un animal en principe si tu le perds c'est vraiment que t'es un gros nul hein, parce qu'en principe il bouge pas trop hein. Il reste pas sur place mais bon alors que là tu vois ça veut rien dire hein. Des fois le temps que là tu vois un animal par exemple ici le temps que tu sortes ton arme ou tu regardes par terre bah il se peut qu'il soit déjà parti là-haut hein. Ça arrive fréquemment hein. C'est allez les doudous petite ellipse. Et voilà les doudous, notre daim. Vous l'avez vu, je vous ai laissé hein, un petit peu apprécier la chasse en elle-même. Hein. Vous voyez que je l'ai appelé. J'ai entendu son cri, donc c'est là que j'ai repris la vidéo. J'ai entendu son cri. Au niveau de la carte, on est situé bah, en plein dans les champs de Peter Chain. Moi j'étais arrivé de là. Je voulais avancer vers la route. Et au pire me retrouver donc dans cette zone de passage, vous voyez, d'un 21h30 minuit, sachant que j'ai fait exprès de retourner à la lodge quand je vous avais quitté dans la première ellipse, enfin dans l'ellipse d'avant, de changer l'heure parce que j'ai tourné un peu. Pour vous dire pendant que vous me voyez pas, donc hors vidéo, j'ai fait un petit peu tout le tour, donc deux jours, et j'ai jamais retrouvé le daim mâle donc qu'on avait eu à la jumelle hein, qu'on avait vu sur lequel on avait un visuel, je l'ai jamais retrouvé donc je me suis dit bon bah à mon avis c'est mort, c'est ce que je pensais hein, on va les changer, on va aller plutôt y aller de nuit. Je me suis mis à 21h hein, donc je suis retourné tout simplement à la lodge ici hein. Je me suis remis à me reposer jusqu'à 21h et puis j'ai tracé ici et vous voyez le temps que j'arrive là, bon 21h36 et vous voyez que c'est un petit peu plus simple, on a eu notre daim. Donc, c'est passé ce que vous avez vu. Hein, mais je voulais pas parler exprès pour vous voyez un petit peu comment ça se passe une chasse de nuit et le reste. Voilà. Donc, on a eu notre deuxième daim. Donc, on a fait milieu du cou, haut du cou. On est sur du bronze. Hein. Ah, maintenant, je lui parle dessus, hein, la meuf. Hein, je m'en fous. Hein. La Connie, elle est gentille, mais. Oh, on l'a déjà l'arc, madame. Ah. Dépêche-toi, madame, j'ai envie de montrer au doudou. Ouais, enfin bref, on est à 895 d'argent. On a fait, je crois, au niveau de l'XP, un truc comme... Ouais, 149. On est à 99% au niveau de notre shoot. Bon, 100% de mort rapide, 100% d'intégrité, parce qu'on a pris la 243. Prélèvement consécutif, on reste à 100%. Donc, c'est une femelle. Qui faisait 35 kg et quelques, 70, 35 kg 72 exactement. Score d'armes 52, donc c'est pas mal. Et la distance, on était à 16 mètres, vous voyez qu'on était vraiment pas loin. Donc nous avons des autres missions qui se sont greffées à notre journal de mission, voilà tout simplement.
On va aller voir ça tout de suite. Donc on a la mission rendez-vous au sud-est de Peter Chain. Prenez un dard en photo avec le lac de Königsberg en arrière-plan. Alors ça, j'avais galéré la première fois que je l'avais fait sur mon autre compte. Prélever un renard avec un arc, ça on le fera aussi. Observer trois nains différents de nuit à Rattenfeld. Je crois qu'on va rester là-dessus parce que vu que là on est la nuit, ça serait sympa de le faire. Oh bah écoute. If you could help out with another photo for her book, it seems you did a great job with the last one. Mais dis pas qu'on en a un autre. She wants a picture of a fallow deer with Königsberg Lake in the background. I'd recommend southeastern Peter's Island. Si on en a un autre, je me le fais là direct. And you often see fallow deer around there. Ouais, je sais pas, je l'entends, mais je suis même pas sûr que ce soit pas un... parce que j'ai croisé tout à l'heure sur le chemin un chevreuil. Ouais bon, de toute façon on va s'arrêter là les doudous. On va retourner à notre lodge. Donc on va aller tout de suite à Rattenfeld parce que c'est là qu'il faut faire la mission, hein, la mission de nuit machin. Rattenfeld, donc si c'est là je crois. Allez, dis-moi si c'est là, dépêche-toi, je ne sais plus. Pourquoi c'est plus marqué les trucs là? Ah me dis pas qu'on va encore avoir le bug de carte à la con. Hein. Bon bref, on va aller sur cette lodge. Parce que je suis persuadé, plus ou moins persuadé que c'est ici. Hein, Rattenfeld. Et puis, bah, on va se laisser là-dessus les doudous. Sachant que, bon bah voilà, on a fini, on a terminé. Hein, donc notre mission de prélevage de daims au nombre de 2. Attendez, parce que je ne sais plus ce que je fais. Donc moi je voulais observer 3 daims différents de nuit à Rattenfeld. Voilà, on va mettre ça ici. Et Rattenfeld, je suis à peu près persuadé que c'est là. Hein. Ouais, voilà, Rattenfeld, merci. Vous voyez, là, il veut bien. Oui, c'est parce que j'avais pas mis la bonne mission en surveillance. Et puis, du coup, on en profitera également pour aller débloquer. Hein, donc, tout ça dans l'épisode 8. Hein, pour aller débloquer les petits points d'intérêt hein, qui se trouvent autour de notre zone et qu'on croisera hein, tout au long de notre recherche de daims à photographier. Donc. Non, à observer, c'est même pas à photographier, il faut juste les observer. Donc à la jumelle, hein, tout simplement, quand ils disent observer, c'est à la jumelle, vous vous doutez bien. Et voilà mes doudous. Donc, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette septième épisode. Portez-vous bien et puis on se donne rendez-vous. Eh ben, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Alors dans la joie et la bonne humeur, hein, évidemment, hein, m'agressez pas non plus. Mais si vous avez des questions, posez-les. J'essaierai d'y répondre au mieux en commentaire et par la suite en vidéo. Et voilà, hein, vous savez comment ça se passe. Allez, ciao les doudous.